Je m'appelle Jean-Alain Degrave, je suis associé chez Cherpès. Après une formation en système d'information, j'ai intégré la société Cegem sur un projet d'intégration de la solution SAP HR. Et c'est à ce moment-là que j'ai connu la société CBL Consulting, que j'ai pu rencontrer François Boulet et Cyril Courtin, qui m'ont ensuite recruté en tant que consultant junior. Et au fur et à mesure des missions, j'ai évolué sur différents postes, de consultant confirmé, senior, jusqu'au poste de manager, puis ensuite directeur associé, et enfin associé depuis environ 4 ans. Nous gérons la vie de l'entité CBL qui gère elle-même les activités autour de SAP et SuccessFactors. Dans cette gestion de l'entité CBL, il y a plusieurs aspects évidemment. Il y a un aspect plus opérationnel avec la gestion des besoins clients, du sourcing de ces besoins, et d'autres aspects plus financiers, commerciaux avec les différentes avant-ventes, les soutenances, et enfin des aspects un peu plus delivery, donc plus au suivi des comptes stratégiques et des différentes missions autour de l'activité SAP et SuccessFactors. Alors ce qui me motive vraiment, c'est un petit peu l'esprit des débuts que l'on a encore aujourd'hui, je pense. C'était tout un ensemble de valeurs qui ont perduré autour de l'engagement. Donc il y a un fort engagement sur un secteur qui évolue très vite. Donc il y a un côté engagement personnel qui est assez important, mais aussi un côté convivialité qui est important pour moi. Et je pense que surtout, il y a aussi un côté accompagnement d'une success story. Donc j'ai eu la chance de connaître cette histoire dès le début et je l'ai vu évoluer. On a la chance d'être acteur de cette success story et ça c'est important. D'être sur un marché qui évolue très vite dans une entreprise très dynamique, ça ouvre beaucoup de possibilités et ça c'est très motivant. La première qualité peut-être ce serait l'engagement. Il faut savoir s'engager fortement, surtout dans un secteur aussi dynamique que celui des CRH aujourd'hui. Une deuxième qualité, c'est sans doute aussi la polyvalence. Il faut savoir faire plusieurs choses différentes. Une troisième qualité, c'est une qualité qui me tient à cœur, c'est vraiment le côté solidarité. On prend des décisions collégialement, enfin on prend une décision en groupe et on avance en groupe.